Pour terminer, la revue de presse des quotidiens du jour, c'est dans une lecture croisée signée Sekou Zongo. Thanatos dans la mythologie grecque ou le voyage sans retour dans la conception africaine, présent dans les parutions du jour. Le génie Labli touche à tout, s'en est allé. C'est le titre retenu par aujourd'hui au Faso pour annoncer le décès de Mustapha Labli Tchombianou. C'est un monument de la presse audiovisuelle qui a rangé définitivement son micro, se convainc le journal. Grand initiateur d'événements d'envergure nationale, le Labli part avec plusieurs arcs à son actif, notamment la rue marchande du FESPACO, Miss Burkina, la course des pirogues, le rameau, l'espace culturel Ouassa de Kosodo. Bref, l'observateur Palga résume l'homme et titre Mustapha Tchombianou, la boîte à idées s'est refermée définitivement. Et le journal de tous les Burkinabés d'orthographié, la presse burkinabé en deuil, Mustapha Tchombianou a tiré sa révérence. Mais que faire pour ceux qui vivent encore? Eh bien, la réponse est là, et c'est le médiateur du Faso solidaire des cités universitaires, écrit aujourd'hui au Faso. Des kits de lavage, des produits alimentaires et une enveloppe financière au profit des cités universitaires pour aider les étudiants placés en confinement, se justifie Sarah Séré-Séremé dans le journal aujourd'hui au Faso. Un geste qui, selon la donatrice dans le journal Le Quotidien, doit permettre à inculquer les méthodes de survie édictées par les autorités sanitaires. Voilà qui met fin